obéir et survivre. Ouais, avant j'étais un vrai connard. Le pire flic de la ville, c'était moi. Tous ces mecs en costard cravate, j'avais la haine contre tout le monde. Depuis que ma femme m'a trompé. Mais j'étais au-dessus des lois. Je faisais ce que je voulais. Alors je me vengeais. J'étais une ordure. J'étais pire que n'importe qui. Mais j'ai changé. Je suis devenu quelqu'un de bien. Oui, sauver les gens, protéger ma ville, c'est ça, ma vocation. Ouais, on peut dire que je suis de retour. Regarde mon petit cul là. Ouais, toujours en retard. Ah, v'là le dernier. Bien, maintenant que vous êtes tous présents, on va pas perdre plus de temps. Écoutez, nos services de renseignement nous obligent à tirer la sonnette d'alarme. Nous collaborons étroitement avec la LSPD, le NOOS, et malgré nos différends, nous sommes amenés à travailler avec l'IAA. Nous avons envoyé un agent dans les quartiers Est. C'est un de nos membres du FIB les plus compétents et accrochez-vous bien, c'est le jackpot. Armes, drogue, proxénétisme et voitures ultra sportives. Il y a 100% d'argent sale là-dedans et beaucoup de vie en jeu. Mais c'est pas tout. En parallèle de toutes ces affaires, d'après nos sources, on nous informe que de futures attaques terroristes seraient liées à eux et se produiraient à Los Santos dans les prochains temps. Pour le moment, le SWAT est au courant de la menace, mais uniquement vous êtes au courant du trafic en cours. Vous devez intercepter toute menace potentielle. D'après nos indiques, les grandes têtes du réseau vont arriver par avion dans les prochains temps. Surveillez l'aéroport de la plus grande intensité. Restez prêt à intervenir lorsque John Kropp vous donnera le signal. Bon courage.